Découvrez au cœur de l'immobilier par Century 21, vendre, acheter, louer, gérer. À moins d'habiter sur une île déserte, aujourd'hui, on vit tous entourés de voisins. Or, la vie en société obéit à un certain nombre de règles. Pour cohabiter en harmonie sans se gêner les uns les autres, il suffit de les connaître. Mon mari et moi aimons profiter de notre jardin. Aussi, pour pouvoir déjeuner ou dîner tranquillement, isolé des voisins, nous avons souhaité planter une haie pour respecter le code civil. Nous l'avons plantée à 50 cm de leur parcelle et nous la taillons tous les ans à 2 mètres de hauteur maximum. Ainsi, chacun est chez soi dans le respect de l'autre. Selon le code civil, si les branches de l'arbre du voisin dépassent chez vous, vous êtes en droit de lui demander de les couper. En revanche, vous n'êtes pas autorisé à cueillir ces fruits, mais seulement à les ramasser s'ils sont tombés dans votre jardin. Le bruit demeure l'une des principales sources de conflits entre voisins. J'accueille aujourd'hui pour en parler Anne Plomb, médiateur professionnel, et Patrick Bonhomme, agent immobilier. Alors Patrick, sur le bruit, que dit la loi ? Que ce soit des aboiements intempestifs, une télévision réglée trop forte, ou encore d'une conversation trop animée chez le voisin, les bruits de voisinage sont, de jour comme de nuit, passibles de contravention, dès lors qu'ils dépassent un certain seuil. Je crois qu'il y a un terme précis, d'ailleurs. Oui, c'est ce que les juges appellent les limites des inconvénients normaux du voisinage. Mais alors, peut-on faire du bruit, quelle que soit l'heure ? L'infraction peut être constatée à n'importe quel moment de la journée. On parle de bruit diurne entre 7h et 22h, et de bruit nocturne entre 22h et 7h du matin. Alors, autre source de conflit, la fameuse tondeuse du dimanche. Anne Plomb, vous êtes médiateur professionnel. Est-ce qu'on a le droit de procéder comme ça à des travaux de jardinage bruyants le dimanche ? Les plages horaires pour tous travaux sont fixés par arrêtés municipaux ou préfectoraux. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture pour connaître ces horaires qui varient d'une commune à l'autre. Mais si jamais il y a un conflit, alors ? Dans tous les cas, le meilleur moyen pour éviter tout désagrément reste le dialogue avec votre voisin. Si la communication est difficile, vous pouvez demander une séance de conciliation au maire de votre commune. En dernier recours, si la situation s'envenime ou devient ingérable, vous pouvez faire appel à un médiateur professionnel. Anne, Patrick, merci pour ces précisions. Merci. Retrouvez les autres programmes au cœur de l'immobilier sur century21.fr.